J'attends que ça arrive. Re tout le monde. Bon, je vais vous tourner, que soyez. Soyez face à nous. Tout le monde. Sur la grotte, et c'est l'autre partie de la forêt, ça. Oui. Et nous, on a essayé de la retrouver, là, un espèce de la forêt. C'est trop. Apparemment, ce serait derrière le truc, là, le truc bleu, là. Pour l'instant, ils sont en train de revenir tout doucement. Ben, en fait, l'enjeu n'est pas refermé, mais il reçoit encore pas mal d'infos. Donc, il essaie de gérer tout ça. C'est juste un peu la mais c'est très. On y a fait une fois, on y a fait deux fois. Ah ouais? Enfin, je
chapelle. Non, il y a deux ici. Que ça tourne en rond, pour moi ça fait plus le truc de l'infini. Non, il n'est pas tout à fait perdu, il est encore connecté en fait. On reçoit des informations, donc il n'est pas tout à fait là. J'espère qu'ils entendent bien. Est-ce que vous entendez bien? Je descends une bouche. Je pars sur la gauche. Je retourne à gauche. Je suis une route. Si je prends le dessin dans le sens où il est infini, le signe de l'infini, ça veut dire que là, si on le suit, on va à la chapelle, tu reviens ici, il sera ici. Et tu feras que ça. Moi je le prends comme ça. Là c'est une voiture. Par rapport au dessin de la fin. Bah, il part à la chapelle. Non, mais en fait, on parle du boom qu'il y a eu au moment où tu as dit ça.
chapelle. Et la grotte de la chapelle. Qui a été abouchée comme une terre. Je n'arrive pas. Et Étienne dit que si on retrouve la grotte qui est juste là derrière la maison, derrière on peut accéder à la grotte qui est débouchée par la chapelle. Mais. Mais le souterrain, il ne sait pas dans quel état il est. Il y a un souterrain. C'est le chat qui garde la porte. Elle a fait les belles oui, là, peut-être. Tu vas l'amener à la chapelle, tu vas le suivre jusque là-bas. Et quoi qu'il arrive, il reviendra. Il est bloqué. Il veut pas partir. Là, il dit qu'il veut partir. Aller à la chapelle. Mais il va revenir. Et il reviendra. Et il repartira à la chapelle et il reviendra. Ouais. Que le fait d'aller à la chapelle, c'est pour aller voir quelqu'un ou un truc de quelque non, chose. C'est pas vraiment comme un tourbillon, maman. Essaye de lui montrer le dernier. Ça fait un peu le signe de l'infini. Si on regarde, si on regarde bien, ouais, on dirait un signe de l'infini. Et on a un brouillon. Merci, voilà. Ouais. Tu ferais mieux de regarder en direct parce que moi j'ai un sacré décalage. Ouais. Ouais. Bah attends. Oui, oui, il y en a une, ça, mais... Du coup, on ne sait pas s'il veut vraiment y aller ou pas. C'est bon, il est bon. 15 jours. C'est bon, je sais mieux. Parce qu'avant, c'était entretenu. Maintenant, ça n'est plus du tout. C'est vrai, c'est vrai. Il y a personne qui en parle de ça. Tu vois la piscine qui est derrière la maison. Hein? La piscine qui est derrière la maison. Il y a une colline. Oui. Et bien, tu regardes entre tes gros buissons comme ça, le souterrain est juste là. Parce que je te l'ai même dit, un jour, il faut qu'on parte à pied et qu'on descende pour aller voir où il mène à cette fameuse souterrain. Ça fait un truc comme ça, ouvert. C'est normal, dans une butte. C'est peut-être là qu'on se faisait plus, ouais. Et bizarrement, ramène. Parce qu'il dit, tu passes en dessous de tout ça. Mais ça ramène à l'usineur qui est en bas. Ouais. Peut-être le souterrain que tu vois. Il est juste derrière. La butte. Est-ce qu'on est en bas? Je sais pas. On imagine beaucoup d'autres. C'est pas le truc qu'on a toujours intrigué. Parce que je me suis dit, en plus, il est caché. Pour vous, c'est dans quelle direction? De quoi? De ce que tu parles. C'est juste là. C'est juste là, la dernière partie. C'est ça? La boussole, elle part pas. Je viens largement le commentaire, la boussole, tout ça, quand on se regarde. Non, c'est pas étonnant, parce que c'est là que ça dépend. Et, en fait, ça lui parle. Parce que tu prends là, tu tombes, tu peux même descendre la butte là. Donc ça fait gauche-gauche. Ah bah ouais. Quand tu regardes bien. Donc c'est le chemin. Justement par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure. C'est le chemin qu'on passe. Donc c'est ça. Tu descends. Gauche. Ouais, c'est ça. Gauche-gauche. Je viens de faire un truc qui a le.
fameux passage là qui m'intrigue à chaque fois que j'ai envie d'y aller. T'es attirée par ce. Ouais, tout le temps. À chaque fois qu'on passe en voiture, j'ai envie de dire. Il faudrait y aller dans plein jour. Ouais, pour voir. Pour vraiment repérer quoi. Pour voir l'état un peu. Ouais. Déjà du terrain, de l'entrée. C'était pas en haut. Non, c'est un vétéran. Alors, soit c'est une part de la note, soit. Voilà, on a vu ça, on avait vraiment compris qu'on avait compris, je confirme. Moi aussi. Donc, c'est là. Parce qu'il y a plein d'arbres qui fait une sorte de cercle. Et dans la butte, t'as une ouverture comme ça. Et à chaque fois, j'ai envie de tirer, mais je sais pas pourquoi j'ai envie de. Peut-être par curiosité, je sais pas, mais. Mais ça vient échapper, on est échappé. Ah non, là c'est le 5 et tu nous parles, c'est après pont. Ah, c'est après le pont. Il y a la forêt, il y a le lac. Enfin, le bassin. Il y a là. Mais il y a deux souterrains. Et le souterrain qui est juste là ramène. Il n'y a pas de voiture en non. Dessous à l'usine. L'ancienne usine qui est en bas de la maison. Quand on était, je l'appelle la corde du pendu. Elle n'est pas bleue cette usine. Ça, je ne sais pas comment. Les cadres, ils étaient pas. Ah, c'est moi qui les ai baissés. Ah, d'accord. Donc, maintenant, tu sais, c'est que la verdure a pris dessus. Il y a plein de tas de. C'est rempli de verdure. C'est là. C'est qu'il faut revoir. Le bout de l'usine, il n'est pas bleu. Attends, il faut que je vérifie. Il y aurait un vieil arbre mort là-bas ou quoi? Je sais pas. Il y aurait un vieil arbre mort là-bas ou pas? Les arbres, ils ont poussé à l'intérieur. C'était quoi dans les années 70, c'est ça? Ah, il y a la date. C'est Nance. Non, 1948. Quand j'ai fait la vidéo sur YouTube, j'ai repéré les. Quand j'ai tout la photo pour montrer comment c'était avant. La métallurgie, ça a été le deuxième secteur, enfin, deuxième segment d'usine. À la base, c'était pas ça. Ouais, c'est vrai, donc ils ont commencé avant. Porte vieille en bois. Vieille porte en bois. Ouais. Je vais faire ça. On va le retourner. Si, si. Désolé, on essaye de comprendre un peu le tout. On ne vous a pas oublié. Sur le bleu, sur le haut. Une bande. En fait, t'as Usinor, ça Sassilor, et après t'as le logo Usinor en rouge et gris. Mais le Usinor, ça Sassilor, il est bleu. Et ça, c'est le logo de 1986 à 1997. Il était bleu. À ce moment-là. Donc ça colle. Oui. Ouais. Tout colle en fait. Donc en fait, c'est juste celle en bas. Tout est lié en bas. Parce que eux, ils ont gardé le logo bleu et après, ça s'est stoppé ici. Et ça continue à demain. À demain, c'est devenu le logo gris. Parce que eux, ils ont été plus loin que ici. Mais les maisons, ah, ils n'existaient pas ici. Avant. Il y a ce temps, ouais. Mais quand il y avait usine et tout, oui. Les ouvriers habitaient ici. C'est pour ça que là, tout colle. Le chemin. Oui, mais ça n'explique pas ce qu'il veut, en fait. Ah, c'est déjà rien, c'est ça. Ouais. Je ne vois pas le lien, en fait, avec ça. Qu'est-ce qu'il veut? Le chemin, il est collé. Mais qu'est-ce qu'il veut exactement? Il veut la chapelle, oui. Mais la chapelle, pourquoi faire? La maison, la chapelle. Je ne vois pas le lien entre la maison, la chapelle et lui, en fait. Parce que c'est une personne qui a. Merci. Alors, c'est la personne qui a vécu ici. Donc, il y a. C'est ça? Il y a des lurettes, apparemment.
été enterré là-bas. Enterré là-bas. Bah, tu dis une chapelle, généralement, tu as au moins un cimetière, un truc comme ça à côté, ou pas loin. Il y a une crypte déjà là-dedans. Oui. Tu viens toutes les plaques qu'on avait vues dans la petite grotte. Oui, ouais. Dans la petite machin. Et pour moi, je travaillais peut-être à la chapelle qui habitait ici. Pour moi, je suis sûr que c'est ça. Je suis pas sûre, parce que pour moi, si lui a montré l'usine, pour moi, il travaillait à l'usine. Ah, où il travaillait à l'usine. Oui, c'est vrai, il y a encore un truc de l'usine aussi. Oui, il y a encore ça aussi. Mais bon, le lien de tout ça, c'est où? J'ai des fourmillements dans la. Là, sur tout le côté. Mais on ne me donne pas. Dans ce qu'on me donne comme info, Farid, on ne me donne pas d'enfant. Quoi. Non, non, le Manès, on ne va pas à la chapelle ce soir. Mais ouais, enfin pour moi, tout ce qu'on me décrit, c'est ça, c'est cette route-là. Comme ça. Ça si bas. Ça. Ça suffit. Mais qu'est-ce que t'as fait? Je sais pas. Il y a un peu de la fenêtre. T'as fait mal comment? Comme sur ma mère dessus. Il y a quelqu'un là. Regarde, c'est tout. Je crois. Allez, c'est pas bon aussi. Allez, viens. Sa main est gelée et sa veste est chaude. Ouais. Et lui? Allez, viens, gros. Oh, oh. Là où elle s'était mal, c'était mal. On va sur la poudre et on peut le savoir. Je vais essayer quelque chose. Mais t'as pas de mort. Bah, elle est plus rouge. Juste à moi. Ouais, ça m'a fait bizarre. Donc. T'as pas de griffe, t'as rien. Non, ça fait rouge. Oui, ah oui, oui, ça fait rouge, effectivement. Je vais essayer, par le tout écriture. Il y a mes mots qui sont. Mais il est important que vous trouviez ça juste un indice. Ah bah ça aide pas grandement, hein. Bah si, mais pas. Allez, retour, le signe infini. Bonne nuit, ma chérie, t'inquiète pas, on va trouver. Valou, Valou, est-ce qu'elle a mis quelque chose? Est-ce que Marc Jo?
Bah oui, 18 ans dans toi. Bah oui, moi je suis en garde. Même la vidéo, donc on avait filmé une autre chose. Vas-y, Alexandra. Non, Martial, il y en a encore. C'est ma gueule. C'est normal, elle détecte loin le. Oui, si on l'a vu. Aujourd'hui ne correspond pas à hier. L'environnement a changé, il est paumé. C'est ça. C'est pour ça qu'il tourne en bas. Mais en fait, pour moi, c'est ça. Il connaît la maison, il connaît la chapelle. Il fait que ça. Marcel lui met un message, ça va le soleil est calme. Mais de quoi tu voulais là? Oui, parce que la dernière fois, il est en deux secondes, il s'est calmé. Ça va lui faire du bien. Prenez le cheval. Cheval. Prenez le cheval que je vous ai laissé. Prenez le cheval que je vous ai laissé, il vous guidera.
femme, ça peut pas être le chemin. Ben écoute, ouais, l'écriture n'est pas du tout pareille. Non, c'est pas la même. Vous auriez fait une séance d'écriture, ça rend, vous l'avez pas vu. Et l'écriture n'est pas du tout pareille. Ah oui, du coup, il ne le voit pas. Non, il ne dort pas, hein. Il a les yeux fermés, il ne dort pas. Non, 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 il est en train de faire une écriture, une autre écriture. Ouais. En fait, c'est parce qu'on était là et il s'est mis tout seul. Ben oui, c'est ça. Là, ça a tapé. Là. Mais la porte, elle a bougé. C'est la porte. De toute façon, pour moi, je suis sûr que avec le plein de stock, on va avoir des trucs. Donc, le micro, il reste tout seul en haut. Donc, c'est si il ne pouvait pas avoir de poussière qui vole et tout ça. Ouais, encore quand on marche. Ouais, fait, voilà. On fait de la poussière déjà. Le chemin que je vous ai laissé vous guidera. Je veux que vous veniez seul. Je vous donnerai toutes les réponses. Le patron de la croix vous laissera rentrer. Je veux vous guider pour vous emmener à la grotte du village. Prenez le cheval que je vous ai laissé, il vous guidera. Je veux que vous veniez seul et je vous donnerai toutes les réponses. Le gardien de la grotte vous laisse rentrer. Mais c'est une écriture de femme. Oui, c'est pas pareil, c'est pas du tout la même. On est plus arrondi que l'écriture. Mm-hmm.
en haut. Juste en haut, par là. Seule vision masculine. Monsieur. Ça veut dire que c'est fini, fini. Il n'aura plus rien. Quand elle est à la bouche. T'as bien dormi? En tout cas, t'as bien ronflé. Donc, il veut que j'y aille. Ah bah, on avait compris. Toi ou moi? Monsieur. Lequel? C'est pour après. Pose la question. Par contre, tu pourras pas y aller. Non, t'as pas le cheval. Il manque le cheval. Seul, c'est la question. Oui, il va le perdre sur le lac. Hein? Il va le perdre sur le lac. Ouais. On t'entend plus. Hein? On t'entend plus. Ouais, pourquoi je réponds, moi? Je réponds en commentaire, c'est pour ça. J'ai un fort mouvement à mesure. Pourquoi seul, on ne sait pas justement. Ouais, elle a pas tort, Caro. Dans la voiture, il y a des chevaux. Ouais, mais j'aurais eu ma voiture sans permis, j'aurais dit ok, c'est pas de problème, c'était un cheval. Un cheval. Ouais, un cheval, let's go. Oh, mais quel cheval. Et là, je l'ai plus. À un moment de son dame, casse, elle est en cheval. Fais gaffe que je monte pas sur ton dos pour que tu sentes un jument. Je suis pas un cheval, je suis un lutin. Oh. Ça faisait boum boum boum. Oui. Alors, et puis ça a marché. Et ça a marché. On a entendu marcher. Ça a bougé la porte. La porte là-bas qui a bougé. Donc en gros, pour avoir des trucs, il faut qu'on reste là. Ouais, ouais grave. Hein. T'as ronflé. Ou alors t'as fait le bruit d'un cheval, je sais pas. Je sais pas, mais je sais pas. C'est un truc, ça.
La relation avec le cheval, avec les... c'est un peu ça. À qui je mets une claque? Arrête, tu prends ton élan, tu fais les trois mètres. Ouais, je suis pareil, Anne-Laure. Pas seul. Il y a un message pour toi. Bien envie de... C'est de... J'avais baissé pour tes enlevés. Voilà, il y a quelque chose au bout de ce... de ce tunnel, de cette grotte qui veut qu'il ait récupéré pour aller à la chapelle. C'est un squelette. Oh. Imagine, c'est son corps, en fait. Bah ouais. Qui dépose à la chapelle. Bah, qui sait? Mais tu sais, depuis toutes ces années, le tunnel, il doit être... Il doit être écroulé, tu sais. À un moment donné... Demande une date. C'est vrai que c'est la première fois qu'il n'y a pas de date. Non, mais là... D'habitude, il y a des dates ou un truc comme ça. Là, il n'y a pas. Tiens, ils veulent savoir ce que ça a dit. Tiens, ils veulent savoir. Tiens, ils veulent savoir. Ah non. Oui, ils sont les cheveux, mais là. Puis après, ils pourront descendre son cheval. Alors, Mais non, mais la magie, il attend la vie. Un cheval ou un poulet? Tu n'avais pas encore calculé, toi. Tiens, arrête, après on va dire que je fais encore des allusions à lui pendant mes lives. J'ai rien lu. Il attend une réponse, Joe. Et il faudrait que tu lui dises à voix haute. Il attend une réponse. Oui, je lui dis à voix haute, mais elle a dit... D'instinct, il ne faut pas y aller. Mais moi aussi, je ne le sens pas. Bah si, y aller, mais pas seul. Moi, c'est ce que je ressens aussi. Ben moi, bizarrement... T'as confiance? Ça ne fait pas peur d'y aller tout seul. Et ça? C'est un manipulateur. Ouais. Justement, bizarrement. Mmh. Et toi, Mika? Moi, je suis ici au choix. Il te lâche, il ne t'accompagnerait même pas, tu vois. Il ne te sauverait même pas. Non, mais. Non, mais là, on le sait, t'inquiète. Je sais pas, je le sens, ouais, je me sens confiant, tu vois, je me sens vraiment. Non, toi, t'as l'impression que c'est sincère, si tu vas là-bas, t'auras tes infos, c'est tout. Si tu peux le lire, mais. Ah, ouais, ce serait pas mal. Parce que c'est bon. Donc. Pardon. Je veux vous guider pour vous emmener à la grotte du village. Et c'était pas filmé, ça. Donc, j'ai eu l'impression qu'on avait dit. Je vais vous lire l'auto-écriture. Je veux vous guider pour vous emmener à la grotte du village. Prenez le cheval que je vous ai laissé, il vous guidera. Je veux que vous venez seul et je vous donnerai toutes les réponses. Le gardien de la grotte vous laissera rentrer. Seul, seul, seul. Monsieur, je vous attends, Raymond. Alors, moi, le truc qui me dérange, c'est qu'il dit que tu vas aller seul, mais lui, il sera pas seul. Parce qu'il insiste bien sur le mot seul. Ouais, c'est ça, en fait. Un peu trop. Ouais. Un peu trop. Mais ouais. Il sera pas seul. Comme tu dis, il y a déjà le gardien. Il y a déjà le gardien, ouais. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire s'il va écrouler le truc? Tu te retrouves bloqué? Bah, qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Bah, tu vois. Sans lire le com, je pense la même chose que Anne-Laure. Donc, Non, quatre fois seul. Cinq fois si tu lis le seul qui est là aussi. Oui, aussi. Jo, restez au chaud. Tu vois, tout le monde te le dit. Mais quand il a écrit en haut de l'autre page, c'est quatre fois d'un coup. Seul. Seul, 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 seul.
l'eau et du sang. Ouais. Et tout le monde dit la même chose, c'est il ça. Insiste trop sur le seul. C'est ça, il insiste trop, Joe, méfie-toi. C'est bizarre. Et si c'est lui, Raymond, que j'ai aperçu dans les escaliers, merci, il a pas l'air agréable. Je répète. Non, 4 fois. Parce que c'est vrai qu'on a vu l'homme, déjà qui squattait ici, surtout dans les escaliers. Parce qu'il traîne tout le temps. Parce qu'il traîne tout le temps dans l'escalier, dans la maison. Mais lui, il est agréable, quoi. Mais en gros, il n'est pas méchant, il n'est pas agréable. Voilà. Plus fini, c'est parti, vous savez bien pourquoi. Ouais. Donc il ne serait pas là, sinon. Donc il n'est pas méchant. Ouais. Non. Non, il n'est pas méchant, ça. Il a dit qu'il... C'est bien. Mais... C'est toujours le truc qui ressort, en fait, à chaque fois. Donc, est-ce que c'est pas une entourloupe pour le piéger, jeu? Maintenant, il faudrait comprendre. Il est passé par jour depuis le début, il a un contact avec lui. Depuis le début, ça passe par lui, donc en fait, d'où le fait qu'il a bien fait de lancer une séance. Et maintenant, le message est un peu... Alors, est-ce qu'il ne m'appellerait pas là-bas? Parce que justement, il aurait confiance. Bon. Juste un truc. Hein. Anno, il disait pas qu'il allait tout dire. Il n'y a rien qui te choque. C'est la suite. Parce que là, on dirait plus la culture d'une femme. Qui... Bah ouais. Donc, ce que Anna a dit, c'est un homme et une femme. Et que ça se mélangeait. Et ça se mélangeait et que. C'était mêlé. Voilà. Donc, déjà rien que ça. Et c'est qui le gardien de la femme? Non, c'est une autre personne encore. Oui. Donc il y aurait un homme, une femme, le gardien, plus ce qui est encore là-bas. Donc, c'est pas après. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Si c'est pour faire partout, c'est mort. Par contre, ce qui est bizarre, il miaule plus. T'entends un boum, il se met à miauler. T'entends un boum, il arrête de miauler. Là, tu entends plus. Il vient d'avoir un boom. La lumière, elle a été éteinte. Le détecteur, c'est... Quel détecteur? J'ai mis le détecteur. T'as pas de choix qu'ils peuvent descendre les escaliers? Non. Ah non, si. Elle est là. Et lui, il est là. Elle est enfermée. Ah ouais, l'autre, il est enfermé, il s'y va. Il y a quelqu'un à la porte. Ah, sinon, elle s'éteint. Elle s'éteint pas, la lumière. Non. C'est là.
Pardon ? Je crois que Bella est sous le toit. Il faut la marée, je crois que c'est tout. Non, c'est le chat. C'est le chat ? Ouais, il y a un chat en haut des escaliers. Quel chat ? Gris et blanc. Ah, c'est celui-là. Mais il est là. Bah là, il est en haut des escaliers. Alors, Ah bah non, c'est juste une Ah bah ça, les escaliers, le détecteur qui est en bas à l'entrée de la porte, donc on peut pas, on peut pas le détecter, parce qu'automatiquement ça tape sur les marches. C'est pas faux ça. Ouais. Jo, ça me gêne, ça ne te saute pas aux yeux, prends du recul, fume une clope. Sinon on attendrait descendre l'escalier, vu le couloir que c'est. Ah non, c'est du vol. Automatiquement, ça va taper au milieu des marches. Au milieu des marches, il y a qui souvent ? Oui, non. Parce qu'il est toujours au milieu ou dans le virage. Là où... Donc, elle disait, parce que tu n'écoutais pas, que c'est pas possible qu'il ait allumé le détecteur. T'as vu comment c'est raide s'il est tout en haut. Que le détecteur est en bas. Il est peut-être descendu. Ouais. Non, tu l'auras entendu. Ouais. Si pas, tu l'as entendu. Il ne sait pas descendre doucement. Tu vois, ça. Bon, 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 bon. Donc. 15%. Il est chargé. Je vais mettre l'hypothèse. Non, mais j'en ai un. Peut-être qu'aujourd'hui, il a eu envie de descendre doucement. Pour moi, oui. À cette grotte. Faudra qu'on y aille à cette grotte. Con ? Non, pas con. Par contre, sincèrement, hein, je m'écoute, j'y vais maintenant. Mais là, qui dit, il est où le radiateur ? Oui, parce qu'il a tourné le live, il manque le radiateur. Alors, Jo, analyse, première écriture, puis deuxième. Écoute ton instinct. Mots, façon de parler, forme des mots, longueur des phrases. Non, bah, c'est ça, toi. C'est deux personnes différentes. Bah, carrément, hein, de toute façon, c'est pas du tout la même écriture. Ça se voit. Et même, tu prends. Et même la façon d'écrire. Tu prends là, le début et la fin. Alors, est-ce que celle-là ressemble à celle-là ? Même pas. Non, il y en a un qui ressemble. Donc ce serait trois personnes, non ? Et t'as prêt à écrire ou quoi ? Je veux qu'on me fasse partir de cette maison. Je veux retourner à la chapelle. Là, déjà, c'est plus la même écriture. Suis-moi, je te guiderai. Je veux rejoindre la chapelle. Déjà là, il me parle de la chapelle. D'accord ? Et de l'autre côté, il n'en parle pas. Il parle d'une grotte. Et de l'autre côté, il me parle de la grotte. Comme dit Villa, de toute façon, t'as pas de cheval, tu peux pas y aller.
balle à la chapelle et un qui balle à la grotte. Mmh. C'est qui tout ça là? Bah bravo, félicitations. Est-ce que la grotte et la chapelle se trouvent au même endroit? Ça dépend. S'il parle de quelle grotte, il parle. C'est parce que dans ce coin-là, il y a la grotte là-bas, près du canal, qui ramène à la chapelle. Bah, c'est une grosse batterie, mais ça fait quand même un peu plus de 4 heures qu'elle tourne. Plus que 4 heures, mais... Ouais. Et d'habitude? Bah, j'ai jamais été jusqu'à la fin, donc... On a du sol bien fumé. Ça va. Fatigue. Elle a pas tort aussi, Catherine. D'un côté, il te dit « suis-moi ». Je vais te guider, et de l'autre côté, c'est le cheval qui va t'emmener. Ouais, c'est le cheval qui va te guider. Ouais. Ouais. C'est trop brouillon. Ça fait beaucoup de temps, du coup. Bah, ça se contredit un peu, ça se... Un peu comme... Comme dit, fait comme ça. Il se passe ici, hein. Oui. Ouais. Ça fait la même chose, en fait. D'abord la chapelle, lieu qui représente la lumière, la pureté, et ensuite la grotte, obscurité. Mmh. Ouais. C'est bien, hein, parce qu'ils réfléchissent à notre place, je pense. Ouais, c'est cool. Bonne question, Caro. Une signification du cheval. Est-ce que c'est pas un médaillon? Est-ce que c'est pas un? Un médaillon. Ouais, c'est ça, Anne-Laure. C'est ça. Parce qu'un cheval, il y aura un cheval qui le verrait. Hein. Il est où, cheval? Il est dans l'écurie. Ça y est, du bloc. Non, je sais pas, c'était mon cerveau de chauffe. Je vais essayer de, ouais, de voir avec les baguettes, voir ce que ça donne. Cheval, peut-être un médaillon avec un cheval dessus. Et peut-être que le cheval dessiné sur le médaillon, il y est dessiné dans une des grottes. Mais d'où tu sors tout ça là? Arrête. À l'ancien temps, il y avait des gravures. On sait jamais. Imagine le médaillon. Il n'est pas compagnon, ouais, hein. Ouais, c'est parti. Là, t'es parti. Non, mais je veux dire comme une plaque, une plaque. Oui, un médaillon. Oui, peut-être un médaillon qu'on aurait trouvé là dans le coin. Et puis c'est un petit crayon. C'est de la période où il y avait des chevaux, tu vois. Et voilà. C'était là, là, à la chapelle où il y avait des plaques, justement. Ouais. On va te dire qu'il y avait un cheval. Bah, le petit, tu sais, le truc de mémoire, là où il y avait les plaques. Oui. Est-ce qu'il y aurait eu un cheval? Non, mais il me semble qu'il y avait un fer à cheval. Oui, ah oui, exact. Il y a un fer à cheval. Il y a un fer à cheval. C'est bien, hein, vous en avez parlé quand vous êtes rentré dedans. Donc il parle de la grotte de la chapelle, alors. Ouais, et là, c'est celle-là. Donc c'est la ça grotte de Saint-Germain. Ça revient au même. Pour ordonner, alors. Coup, je crois que c'est Manu en plus qui avait relevé qu'il y avait un fer à cheval. T'en souviens pas? Ouais. Peut-être dans les photos qu'on a prises. Mais où? Sur le PC, sur mon téléphone. Ah. Il y a l'œil. De toute façon, il n'y a pas d'entrée dans la grotte. Que tu rentres, bah, et après c'est tout, tu peux aller nulle part. Le cheval fait référence au voyage, au déplacement, aussi bien physique que spirituel, à un mouvement. D'accord.
quoi. Le gardien. Le gardien. Le gardien vous laissera rentrer. Je viens de percuter. Parce que maintenant il y a un gardien caché. Ouais. Parce qu'apparemment c'est trop squatté. Enfin, c'est trop squatté. C'est, il y a trop de gens qui vont. Ouais. Et il y a un gardien justement avec un chien. Ouais. On l'a pris il n'y a pas longtemps. Je ne sais plus qui a voulu y aller. Et il y avait un garde avec un chien. Kevin. Oui, Kevin. Vous voulez aller en plein jour. Aller en plein jour. Ça y est, tout s'est clair. Tout fait tout là-bas. On est juste faire le chien. Donc, il veut que tu ailles à la grotte. Donc, la grotte qui est là, alors. Il n'y a pas de cheval. Il y a un fer à cheval. Oui. Voilà. Le gardien vous laissera rentrer. Il y a en effet un gardien avec un chien. Mm-hmm. Mais, c'est quoi le but ? Tu vas dans la grotte et. Je vous donnerai toutes les réponses. D'accord. Les réponses à quoi ? À ce qui se passe ici. Parce que tu lui as pas posé plus de questions que ça, à part s'il était là et tout ça. Et tout ça. De plus, le jour où vous avez été à cet endroit-là, vous n'avez pas voulu faire. Pas rentrer en contact avec personne. Dans la chapelle, non. Ouais. Au début, on voulait. Et une fois qu'on est arrivé sur place, qu'on a vu toutes les places qu'il y avait et tout, on s'est regardé qu'on a fait non. Il n'y a pas de spirit box, ni de baguette, ni rien du tout. Nous, on avait... Le seul truc qu'on a fait, c'est qu'on a pris des bougies et on a mis de l'encens. Oui, nous, on a mis des bougies aussi, mais quand même. Parce que quand on a été dans la grotte, on a d'abord demandé l'autorisation si on pouvait aller à la chapelle. Et il y avait une lumière du cadeau, c'est que vous avez... Rouge pour dire oui, et puis vert pour le temps. Et on a pas besoin de contacter. Ça serait une femme. Qui a connu la période du coup, enfin, de la chapelle, autant expliquer en activité. Et elle nous a donné l'autorisation pour aller à la chapelle. Est-ce que je tente une séance de baguette, voir ce que ça donne par rapport à ça? Lui reposer des questions par rapport aux deux auto-écritures. Ça pourrait peut-être cibler. Ah, il me semble un peu mieux compris dans le sens où il est. Il me semble que on a su trouver tous les pesages du morceau. Sauf qu'on n'aurait pas une question de maîtresse qui ferait qu'on serait peut-être un peu plus cibler. Moi, c'est ce qui me bloque, c'est que vous aurez toutes les réponses. Mais voilà, on dit pourquoi vous avez posé. Parce qu'on n'a pas posé. On n'a pas de questions spéciales. Vraiment. Enfin, c'est ça, en fait. Les réponses. Parce qu'ils ont l'air de dire que, bah, comme Laure, elle dit, il n'a pas le droit de tout vous dire. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit de tout vous dire. Maman a parlé d'un indice. Oui, l'indice qu'elle nous a donné, c'est les pas que les filles entendent et les recherches. Je vous expliquerai tout, ça me gêne, surtout si on doit considérer comme culte. Si les croyants, ils n'ont pas le droit de parler de ce qu'il se passe, ils le savent. Oui, c'est ce qu'on vient de dire, mais c'est pas, il n'a pas marqué « je vous expliquerai tout ». Il a marqué « je vous donnerai les réponses ». Toutes les réponses. Toutes les réponses. Mais les réponses à quoi ? Parce qu'il faut y avoir des questions pour avoir des réponses. À part les questions de là, si c'était lui, si c'est lui qui a eu un accident dans le jardin. Bah oui. C'est, je sais pas, mais c'est juste la fin qu'on n'arrive pas à comprendre. Ok, il se cache. Non.
Tout, on a tout compris. Qu'est-ce qu'il y a? Il est perturbé aussi, Mika. Ouais. Alors, peut-être, toutes les réponses, peut-être c'est-il ce que vous cherchez à savoir la certitude qu'il y a une vie après la mort, et avec les détails. Peut-être une lettre qu'il aurait laissée là-dedans, dans la grotte. Ben on a vu qu'il y avait pas mal de mots. Enfin, qu'il y avait pas mal de lettres la dernière fois qu'on y avait été. Après, on ne les a pas lues par respect, parce qu'on ne voulait pas les lire. Quand j'ai eu le monsieur, tu te rappelles? Pour faire le contact avec la mère, la grand-mère de ton père. Ouais. À un moment, il y a une phrase que j'ai pas compris à la fin. Trouvez la lettre, vous comprendrez. Exact. Non, moi, j'ai pas compris. Mais vu que j'ai même arrêté le contact avec ta grand-mère, parce qu'il y avait plein de personnes qui arrivaient. Mais il y a un homme qui s'est présenté à toi, tu t'en... pense, on n'est pas sûr que ce serait donc son ex-mari. Mais à un moment, ça dit trouvez la lettre et vous comprendrez. Mais qui n'avait rien à voir. Qui n'a rien à voir avec l'histoire de du grand-père de mon père. Est-ce que ça pourrait être lié à ça? Est-ce que c'est pas lui qui est venu se présenter après sa grand-mère? On doit être un moment qui est arrivé. Et là, je sais pas. Bon. Ouais. Bon. Oh là là. C'est commenté. Bon. Donc pour moi, ce qui serait bien, après vous dites ce que vous en pensez, qu'on arrête de se torturer la tête pour ce soir. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, on ne fera rien de plus ce soir. Ouais. On essaye de se caler une après-midi. Ouais. Qu'on aille en plein jour. À cette fameuse grotte-là. Ouais. Et qu'on aille faire la deuxième grotte en même temps. Ouais, c'est tout. Ouais. Et qu'on essaie justement de voir, dans ces cas-là, si on pourrait avoir des réponses dans l'une ou des deux grottes. C'est mieux faire. Il y a Myriam, je m'en permets. Elle a dit, si je peux me permettre, aujourd'hui c'est Immaculée Conception, le jour où Bernadette a eu l'apparition de la Vierge, la grotte, l'ourde, et elle délivre des messages. Ouais.
commence à se... Je ne sens pas ça. Et c'est par hasard, ça. Tu peux dire ce qui te perturbe? Tu tiens pas en place? Oui. Et qu'est-ce que t'as? Il n'y a rien. Il n'y a jamais rien. Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, qu'on arrête de se torturer la tête pour ce soir. Alors, avec les spirit box. Ben, il y en a qui disent spirit box, il y en a qui veulent les baguettes, mais... Non, les baguettes, ça va être fatigué encore plus. Ce qu'il y a, c'est que... Même qu'on ait des réponses, que ça soit aux baguettes ou à la spirit box, on n'en fera rien de plus. Parce que c'est pas ce soir qu'on va aller à la grotte. Parce que sinon, ça veut dire que demain matin à 10h, on est encore là. Moi je sens, mais il y en a qui vont faire des drôles de rêves ce soir. Oui. Encore rouge ou pas? T'as rangé ta boussole? Non. Vas-y, t'as comment t'as rangé? Arrête-toi. T'es mauvaise, Lise. Jo, arrête de chercher. Il ne cherche pas, il réfléchit. Il parle pas français. De toute façon, on aura beau chercher ici, on ne trouvera pas. Ouais. Tant qu'on ne va pas là-bas, on n'a pas les réponses qu'on va avoir. C'est mort pour ce soir, la nuit. Ça, c'est les toasts au foie gras. Ou alors c'est les yeux de canard. Moi qui me fait ça. On sait pas te faire, mère. La fouille, mais. Au pire, là, le temps, hein, on est assis tranquille, mais là, l'aspirine, tu vois. Ça te fera rien. Ça fait du bruit. Ça, c'est sûr. Attention à vos oreilles. Non, il est 3 heures. Parce qu'il est l'heure, c'est quoi? Bah, ça lui manque. J'ai une heure. Est-ce que vous nous attendez à la grotte? Est-ce que vous voulez jouer avec nous ?
Est-ce que c'est Raymond qui veut qu'on aille à la grotte ? Pourquoi est-ce que vous voulez que je vienne seul à la grotte ? Maintenant. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi je dois venir seul ? Est-ce que vous êtes une femme ou un homme ? Est-ce que c'est la grotte à côté de la chapelle que vous voulez qu'on aille ? Est-ce qu'il y a un lien entre la maison, l'usine, la chapelle et la grotte ?
Est-ce que je peux y venir à pied ou il faut absolument que je vienne à cheval ? Est-ce que vous voulez me bloquer dans cette grotte ? Est-ce qu'on peut venir à plusieurs ? Est-ce qu'on peut y venir à plusieurs à la grotte ? Est-ce que vous voulez qu'on vienne en plein jour ou dans la nuit ? Si je viens seul, est-ce que c'est pour me bloquer sur place ? Est-ce que vous étiez plusieurs sur l'auto-écriture ? Est-ce que c'est pour me faire du mal que vous voulez que je vienne ?
Est-ce qu'il y a un lien avec le mot qu'on a laissé dans la grotte? On va se stopper là. Et puis, on essaiera de se caler une après-midi pour aller voir là-bas. Je pense que ça sera le mieux. Parce que là, on va se torturer le cerveau et... Bon, donc on se stoppe là pour ce soir. On essaiera de voir si on va aller à la grotte, savoir quand est-ce qu'on va pouvoir y aller. Sinon, qu'avez-vous pensé de cette enquête ? T'as plus de lave, toi, chez toi, aussi ? Si. Les hommes, ils s'en occupent pas tous. On les a abandonnés. Non, je suis bien, je ne sais pas. Ouais, bah, de toute façon, on va essayer de voir pour essayer d'avoir vraiment un. Du coup, ça veut dire contre-enquête, ça ? Un maximum de réponses. Il n'y avait pas quelque chose d'orange dans la route ? Orange ? Ouais. Il y avait des objets posés. Le live est sur la page. Le live est sur la page. Nous, on a fait. Pas plus de photos là-dedans ? Non. Ouais, c'est ça, il y a beaucoup de questions en suspens. Ouais. On a filmé à l'intérieur. Oui. Donc, c'est pas trop de photos, c'est con. Si, le jour où il y avait fait des photos. Non. J'ai pas de photos de l'intérieur. De la chapelle ? Non, je crois pas. Le jour où il y avait sur le téléphone, il y a live. On va le voir. Parce que je crois que ça vient de l'écho. Ouais, alors.
tous les chocolats. Non. Sur la gauche, dans la gauche, il y avait un petit feu. Ouais. Tu te souviens qu'on a regardé? T'as un feu, feu. De quoi faire du feu? Dans quoi? Comme te dire, ça fait ça, t'as un mur. Ça fait un petit renfoncement comme ça, c'est le. Aïe. Là où Manu s'est assis. Oui, c'est ça. C'est ça. Il n'y a rien dans le coin. Merci, Catherine. Où est ton téléphone? Du coup, elle est où ma petite lampe à moi? Sur la table. Des fleurs en plastique orange, ça me dit rien. Non, pas des fleurs oranges. Quelque chose de pas orange. Quelque chose de pas orange. Dormir un petit peu, maman. Il n'y a pas d'hôtel. Si, il y avait un hôtel. Un hôtel. Alors, il y avait, si, ils ont dit qu'il y avait des fleurs. Ah, le orange, je ne dis rien. Il y a des objets qui étaient posés, comme des chaussures. Oui, sur la table, il y a des chaussures. De bébé. Chaussures de bébé, ouais. Que les photos de l'intérieur. J'ai pas, on n'a pas mis son parfum. Ça sent très fort le parfum. Sans mousse. Non. Sérieux? Ouais. T'as cru qu'on était dans le top que non? À gauche de l'hôtel, il y a le feu, et après il y avait des branches, il y avait des feuilles et tout. Mais la couleur orange, ça ne me dit rien. Je ne sais pas plus quand il est là, mais il est là.
Bah, il n'y a pas longtemps, tiens, parce qu'il est encore... Ah, il est allumé, en fait. Il est encore allumé tout à l'heure. Attends, j'avais 11 heures encore de dispo. C'est le chat qui miaule ou ça vient de crier? Non, c'est pas un miaulement. Ça fait où? Ouais. C'est où? Bonne nuit le radiateur. C'est vrai qu'il continue à parler au radiateur. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est moi, je suis en train de ranger le matos, donc... Ouais. Trop beau le radiateur. J'ai pas compté sur lui, hein. Va dormir, toi. Bon, je pense pas que j'ai oublié quoi que ce soit, moi. Mais pas, arrête de bouffer. Mais je mange même pas. Menteur. Où? Là, tout de suite, là, non, mais... J'ai rien mangé. J'ai même pas eu mes toasts de foie gras. Alors... Hein. L'orange, c'est pour le dimanche, c'est la couleur du jour. Bon, sur ce, les amis, on va vous laisser, parce qu'on a encore une heure de route. Une heure et demie. Ouais, toi, t'as encore une demi-heure en plus. Donc, le bon, temps de rentrer. Quand je prends la voiture, j'appuie sur le bouton, elle refoute. C'est bien. C'était pas ça, je suis arrivé pas à cheval. Je vois pas. Ah, tu veux qu'il en coule là? Ouais. Bonne nuit à tous. Et puis on vous dit. Bien sûr. T'as une quelle journée? Au week-end prochain. C'est aussi dernier qui sont restés. Bonne nuit à tous et à toutes. Allez, bonne nuit à tous. Bisous, bisous. À bientôt, les amis. Bonne nuit, bisous à vous.